Le festival de printemps, c'est une nouvelle vision de lézard frisson attiré en Vendée et basé sur la musique sacrée. Et donc, un seul compositeur. Et cette année, c'est Marc-Antoine Charpentier. Grâce à beaucoup de travail, particulièrement par William Christie, maintenant Charpentier est un compositeur extrêmement connu et célébré pour la souplesse, pour l'expression de sa musique. C'est une musique extraordinairement expressive. C'est un court festival, mais un festival très chargé, très, très intense, autant pour les artistes que pour les auditeurs. Alors le répertoire de Charpentier, il est assez particulier, on va dire. C'est-à-dire que c'est une musique qu'on reconnaît quand même facilement. Il y a une patte, il y a une personnalité très particulière à Charpentier. Et c'est un style que les arts fleurissants font depuis maintenant de très nombreuses années. Donc on est vraiment, avec William Christie et Paul Agnew, vraiment dans une espèce de berceau. Voilà, au niveau artistique. Et pour nous, c'est vraiment une grande chance de pouvoir faire ce répertoire-là, ce festival. Le festival de printemps présente les concerts dans les églises autour de Thierry. C'est la musique absolument sublime. Et c'est une musique qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde pourrait être touché par cette musique. Même les connaisseurs ou les non-connaisseurs, les croyants, les non-croyants. C'est des moments de sublime. C'est des moments avec les artistes extraordinaires dans l'intimité de ces églises extraordinaires.